Il fut la première personne à s'opposer à l'arrivée des troupes étrangères au Mali, plus précisément la force française. Si aujourd'hui certains Maliens pensent comme lui et demandent le départ des forces françaises, l'histoire n'est fait que donner raison à ce grand homme. En 2013, le shérif Sadi favorable au soutien logistique car pour lui, son pays incarne des hommes qu'il faut pour faire face à la situation actuelle. Mais malheureusement, beaucoup pensaient que c'était des imaginations de sa part. Soyons un peu logiques avec nous-mêmes. Tout ce dont il dit histoire n'est fait que lui donner raison. Courage à nos jeunes panafricanistes. Ashraf ou Sharafa.